Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Younes, on se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour de fabuleuses aventures sur Paper Mario, The Origami King. J'espère que vous allez tous super bien et que vous avez la pêche parce qu'aujourd'hui on va faire une super vidéo. La dernière fois on s'était laissé tous ensemble dans un nouvel endroit qu'on avait découvert sous la mer, un espèce de temple étrange où on avait inséré la clé carreau. Et on était atterri du coup sur l'île du carreau où il nous propose trois temples, un rouge, un bleu et un vert, comme je suppose les esprits de terre, d'eau et de feu. Et du coup on avait absolument le choix, on fait ce qu'on veut, je suppose, on va commencer où on veut. Mais on va d'abord visiter un petit poil sur les côtés. Là il y a un banc qui a l'air bien sympa avec une petite statue de Toad. Bienvenue voyageur, tu as besoin de champignons, voilà qui tombe à pic car ils sont en vente. Oh, c'est un marchand. D'accord, je m'y attendais pas. Eh bien écoute, non, ça va parce que j'en ai quand même beaucoup. Comme tu veux, à plus peut-être. Un petit banc qui nous est proposé là, mais on est full vie pour l'instant. On ne peut pas accéder à ce temple, mais devant chacun des temples, on trouve trois machins comme ça. Waouh, tu as vu ces cercles de pouvoir? Je sens comme une vague de puissance m'envahir, comme si tous mes pouvoirs élémentaires étaient débloqués. Eh bien, on va utiliser le pouvoir de l'esprit de la terre, je suppose. Ça paraît très logique pour remonter... je suis pas sûre, en fait. C'est pas mal. Ta-da-da ! Olivia Power, Olivia de la mort qui fut, avec transformation tortue. Voyons voir ce que ça peut nous faire. Gra 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 ou. D'accord. Je suis pas sûre que ce soit forcément ce qu'il fallait faire. Mais on pouvait vraiment. D'accord, j'aurais pensé que si on pouvait. Que si c'était pas ça, j'aurais pensé que. Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'était pas ça, j'aurais pensé que ça nous dise que ce soit pas ça, quoi. Donc en gros. Là il y a de l'eau. Mais ça ne m'aide toujours pas puisque je peux pas traverser l'eau. Là, il y a de la terre, il faudra forcément descendre ça. Il faut peut-être que les trois soient identiques, je pense. Je pense qu'il faut que les trois soient identiques. Donc là, on va descendre avec le pouvoir de la terre. Bon, on va passer un peu les animations. Hein. Gra 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 ou... Voilà, très bien. Mais là, du coup, voilà, on peut y aller. Là, ah, celui-là, on a accès. On peut y aller parce qu'on peut marcher sur la terre. Pourquoi je peux pas mettre de la terre un peu partout? Et là, est-ce que... Qu'est-ce que ça fait si je fais le pouvoir du feu? Je vais tout cramer. Tout feu, tout flamme. Pof. D'accord, donc là ça n'a rien fait parce qu'il n'y a pas lieu de faire quelque chose. Si tout simplement... Je vais essayer tout simplement de les mettre au même niveau. Donc du coup là par exemple, si je le redescends avec l'esprit de la terre... Il n'y avait pas lieu de le faire monter. Enfin, je pense. Paf, grave, 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 grave. Voilà, c'est redescendu, ok. Donc là, par exemple, si je fais plutôt le pouvoir de l'eau. Tadidada.
Hydrocanon! Oui, voilà. Là, le deuxième et le troisième, ils se ressemblent. Le premier, c'est de la terre. Est-ce que là... Disons que là, il est rouge. Ça serait plutôt le pouvoir. Ah, il s'est éteint. Si, c'est atterri... Ah, il s'est éteint. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Et que c'est OK. Les deux là sont allumés. Mais le pouvoir du feu sur celui du milieu n'a rien fait. Donc je suppose que le pouvoir du feu ici ne va rien faire non plus. Tout feu, tout flamme. Ok, ça n'a rien fait. Donc comme c'est du mieux, ça paraissait logique. Donc du coup, maintenant, l'esprit de la terre sur de l'eau, ça fait quoi? Bonne petite énigme en début de vidéo là. D'accord. Donc c'est pareil, ça n'a aucun intérêt. Et je vois pas forcément que faire. Il manque quelque chose, il manque un esprit, non? celui-là, l'esprit du feu maintenant, quand c'est rouge, je vois pas d'intérêt non plus. Comment faire pour que ce soit comme le premier? Disons que le premier, il avait un truc en plus que les autres n'avaient pas, le gros terrain. Non. C'est pas vraiment la solution là. C'était pas comme pour lui, donc bon. Ce qu'il y a, c'est que lui, ça va être pareil. J'ai l'impression en fait d'avoir tout fait parce que rajouter, mettre, enlever de l'eau, ça change rien. Faire monter avec la terre ou faire descendre avec la terre, ça change rien. Et mettre du feu à n'importe quel moment, avec ou sans eau, avec ou sans la terre, ça fait rien de plus. Peut-être sans l'eau. L'esprit de l'eau, il peut réaspirer de l'eau qu'il a enlevée. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, ouais, d'accord, okay. C'est ce qu'il a, c'est ce qu'il fait. Il aspire. Il enlève l'eau. Et là, je crois que j'ai pas fait du feu sur la terre comme ça. Même si, pareil, je vois pas l'intérêt, mais... Je vois pas comment... Je vois pas comment c'est possible de faire comme c'était avant que j'arrive. Ouais non, ça n'a rien fait. Le feu ne sert à rien. Le feu n'a rien fait du tout. Ça n'a aucun intérêt. Donc on va faire redescendre ça. Hein. Mais là, là j'ai que deux solutions. Donc je viens de faire redescendre avec la terre. J'ai que deux solutions. Soit mettre de l'eau, mais ça ne fait rien. Soit mettre du feu, là maintenant tout de suite, mais je crois que ça ne fait rien non plus. Pas faire un mélange de l'eau et de la terre en même temps, ou je sais pas.
La terre, ça fait monter. L'eau, ça fait mettre de l'eau. Ça ne fait rien. Et le feu. Il n'y a que le feu que j'ai pas fait, je crois. Maintenant, tout de suite. Sinon, bah, si ça marche pas, c'est qu'il me manque quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai pas fait. Je pense. Non. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai loupé. Soit ça, soit il faut faire les temples un par un, je suppose. Qu'est-ce que toi tu racontes? Réussis les épreuves de force, de sagesse et de courage pour obtenir les orbes sacrés. Je suppose qu'il faut peut-être les faire un par un et que ça va débloquer quelque chose. Je pense. Qu'est-ce qu'il y a à trouver sur cette île? Rien du tout? D'accord. Faut juste faire des énigmes. Ok, bon. Ben, on va essayer d'y aller mollo, d'y aller doucement un par un. Je vais y aller, mais je vais juste voir si je peux pas faire quelque chose là. Ah. Peut-être que je peux trouver quelque chose ici à faire. Regarde ces montagnes, on dirait une sorte d'animal, non? Un écureuil? Ou un chien? Un chat? Un faon? Non, ce n'est pas ça. Mais oui, un ours! Te moque pas, c'est pas facile de reconnaître les animaux quand on les connaît comme origami. Il a l'air de faire froid là-bas. Attends, c'est peut-être un ours polaire? On va en voir un, dis! Ouais, bah, c'est où? Peut-être qu'on aura un indice sur les temples. Python de glace? Ouais, ça sent le temple de glace, là, hein, un petit peu, non? Et du coup, ça sera ça, la solution, oui. C'est tellement ça. Dis, Mario, tu penses la même chose que moi? Ça dépend. Il fait un froid épouvantable, ici! Pourquoi est-ce que la température a chuté d'un coup comme ça? Ah, attends, je crois que je sais ce que ce froid signifie. L'esprit de la glace ne doit pas être bien loin! Entrons le découvrir! Allons briser la glace! Je brûle d'impatience de faire sa connaissance! Ah, ma blague te laisse de glace, on dirait! Au moins les statues ont l'air d'apprécier! On peut arrêter les jeux de mots nuls là! Oh non! Des crabis nuls! Des bottes de fer chatoyantes! Et du coup là on est totalement dans un autre endroit, oui en effet! Donc il y a des trous, il n'y a pas de toads, il y a de tout sauf les toads! Donc du coup, je suppose, par logique, qu'il faut faire Python de glace avant l'île du carreau. Ce qui paraît tout à fait logique, car ça nous débloquera, on pourra glacer l'eau des deux autres temples. Mais j'aurais pu, en effet, peut-être aller faire au moins le premier, je sais pas. On verra bien. Allez, bam! J'esquive tout le monde. Ah non! Ah, oh, j'aime pas la patinoire. Tadam! Youhou! Au secours, c'est dur à manipuler. Ouah! Et tadam! Ouah, je vais tomber! Yes! Et tadam! Oh, trop dur. Pas arrivé à esquiver. Alors. Si je fais comme ça. Ah non! J'ai plus qu'un mouvement? Oui. Yes. Impec. C'est parti pour un petit marteau chatoyant. Dégommage de Krabi! Et... pof! Yes. Et... pof! Impec. Et la deuxième vague, je l'ai bousillé avec mon esprit de la terre. Cercle, pouvoir activé! Yahoo!
Accroche-toi, mon petit Mario, moi je te dis. Bam, bousillage de tout le monde. 970 pièces, pas mal. Oui, mais j'y arrive pas au secours, c'est trop dur. Ok. Donc là, par contre, faut que je saute au-dessus, je vais jamais y arriver. Hein. Je vais mourir, c'est obligé. Et tadam! Ok, 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 c'est le tout pour le tout, c'est le tout pour le tout, c'est ma... Raté. C'est maniable, mais c'est impossible. Ou alors, non, faire un coup de marteau en sautant, je peux pas. Oh là là, là j'ai pas sauté. Comment on fait pour choper cette caisse? Au secours. Oh là. Non, mais j'ai fait n'importe quoi. Je veux ma caisse! Pas du tout. Bon. Je vais arrêter de perdre toute ma vie. Hein. J'en ai marre. Hein. Wouah! Oh bah fallait le dire, lol. Comment voulez-vous que je sache, moi? Fallait prévenir. Hein. D'accord. Et tadam! Je tombe! Oula! Et tadam! Pouf. Maintenant que je sais qu'il y a des murs qui peuvent se retrouver ailleurs, hein, je tape sur tout. Wouhou ! D'accord. Ouais, ouais, ça c'est un casse-tête, hein, j'ai compris, j'ai compris. Pof. Pof. Et voilà. Impeccable. Mais je l'aurais bien mis là quand même. Aussi. Ah non, je peux sauter ici. D'accord. Ok. Là, il y a un truc, non? Pas du tout. Drôle de salle. Et puis là, là c'est un faux mur ça aussi, non? C'est bizarre ça. Non. Comment faire pour aller à droite? Il y a des escaliers en haut. On ira certainement une autre fois. Oh le vilain! Aïe! Dites vous là-haut, vous pourriez arrêter de sauter là? Ah! 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 Oh, je peux aller à droite! Yes! Du coup, je vais lui casser la tronche et puis on verra après. Et tadam! Youhou! Aïe, le marteau! Youhou! Tadam! Ah, 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 le frère marteau, vilain frère marteau. Oh là, je me fais encercler, au secours. Alors. J'ai le droit à 3 mouvements. Je demanderais bien de l'aide un peu des taudes. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas donné beaucoup. Allez, c'est parti. Yes.
les bottes de fer chatoyantes parce qu'ils ont des vilains pics. Et pif, pof, paf, pouf. Et eux, ils ont pas des pics, ça devrait aller, je pense. On va prendre les bottes chatoyantes. Et pif, pof, paf, pouf. Yes. Impeccable. C'est parti. Oh, le pouvoir de l'esprit de l'eau. Mais pourquoi alors? Bah non, je sais pas. Pouvoir de l'esprit de l'eau. Yeah, on s'accroche. Et... hydro-canon. Yahoo. 50 à tout le monde. Non, ouais, ça va. Trop balèze, quoi. Trop fort, mes esprits. 1560 pièces. Pas mal, pas mal. Ça va, ça m'a remboursé mes trucs. Les bras multipliés pour faire quoi? Mais ok, d'accord. Oui, hop, hop, pouf, et pof! On fait une plateforme en bas. Ok. Ça marche. Hop là, et hop là. Et hop, hop, et hop là. Tu as vu la grande bouche de cet ours? C'est pour mieux nous sourire, à ton avis? Je trouve ce rictus un peu glacial. Ses crocs semblent solides, ils ne vont pas casser facilement. C'est quoi, c'est un trou ça? Ok, c'est un creux. Cette salle-là, elle me rappelle quelque chose, pas toi? On dirait une moitié des cercles de pouvoir, mais qui laisserait inachevé un objet d'une telle importance? Ouais, ça va, je pense que j'ai compris, on va le retrouver par là-bas. Aïe, pourquoi j'arrive pas? Hop. Par là-bas, puis il va certainement redescendre. Enfin bref, on va trouver. Ah, d'accord, il sort des mines. Des hérisses à une pique. J'ai trois déplacements. J'ai plus qu'un déplacement. Je pense que ça va pas. Je suis pas sûr que ce... mince. Ah là, je casse tout. Pas sûr que ce soit comme ça, mais bon, on peut essayer, on verra bien. C'est pas du tout ça que je voulais faire, en effet. Aidez-moi. Je suis perdu. Au secours. D'accord, alors j'ai pas trop capté ce qu'ils ont fait, mais bon, ok. Ils en ont mis un en face, mais comment savoir lequel, mais bon. Ok, ça va. Impeccable. Allez, votre chatoyante, c'est parti. Et pif, pof, paf, pouf. Et un petit marteau chatoyant. Et pof! 480 pièces. Et tadam! Ouah, ça glisse, moi je vous dis. Oui, mais là. Yes. Et tadam! Yes. Alors, comme ça. Comme ça. Comme... ah. Pas comme ça.
Oh non, il me manque un caillou. Bon, ça doit pouvoir se faire sans caillou, je suppose. Ah oui, mais du coup, faut qu'il reset. Parce que là, je peux plus bouger. Oh la catastrophe. Aussi cure. Où est-ce que ça va là-dedans? Oh! Ah! Ah non, c'était juste de la vie, juste, je croyais que c'était pour m'ajouter des cures. Flûte. Alors. Réfléchissons. Il faut que je le mette là. Ensuite là. Ensuite là. Pas du tout. Ah, ça m'énerve. Bon, on va arrêter. Bon, pas facile l'énigme. Enfin, j'ai bien compris le truc, hein, juste que pas facile. Pourquoi il y en a, ils sont d'autres couleurs? Il y a des monstres dedans. Pas du tout. C'est pour me donner un indice? Ah, c'est nul, j'aime pas. Non, mais j'aime pas. Il y a un autre moyen, je voulais pas faire comme ça. Il y a un autre moyen de le faire, c'est obligé. Oh là là, ça reste comme ça. Vas-y, j'en ai marre. Je vais faire autrement. Je voulais faire. Lui, j'en aurais pas besoin, je pense. J'ai un doute, hein, je me rappelle plus du tout. Alors, si je fais ça, ensuite ça, ensuite. Ouais, non, la manière dont je veux faire, ça marche pas, je crois. Je sais pas, je fais un petit essai vite fait. Ça? Ouais, non. Zut, pof, ça va pas parce que je fais un aller-retour non-stop. Ah là 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 là. Ouais, oh, y a qu'une façon de le faire, c'est nul. Je voulais faire autrement et du coup le jeu il m'indique qu'il faut aller. Non mais c'est trop naze. Oh là là. Trop simple. Pas juste. Pof. 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 Je vais y arriver. Wouhou. Glissade. Non, ils auraient pu à la limite indiquer, mais au bout de 10 fois, pas au bout de 3 fois quand même. Ah, le reste du cercle de pouvoir vient d'apparaître. Tu crois qu'il s'est régénéré tout seul? Il faut appuyer sur son nez. Et pof! Comment? Et du coup, il est content. Yeah! Ouf. La fleur de glace brillante, pas trop mal. Et tada! Youhou! Un bonhomme? Je vais m'en sortir la boule. Ah, d'accord. comment je vais faire pour esquiver par contre? Ah, ok, d'accord. Bon, attends, je vais attendre le prochain tour. C'est parti. Et tadaaan. J'ai pas vraiment attendu. Mais... Pof. C'était quoi ce monstre? Pof. Un spike de glace avec un masque de super-héros. J'ai pas trop d'idées.
Alors. Oh là, comment qu'on fait ça? Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Bah parfait. Impeccable. Ils ont pas de pique, ils ont des boules de neige. Je sais pas si ça compte, je sais pas. On va essayer les battre tout simple. Et pif, pof, paf, pouf. Ah, du coup ils prennent pas de dégâts. Les saligots. Et pif, pof, paf, pouf. Aïe 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 aïe. Ah, il y en a encore un avec une purée de boule de feu, mais c'est pas de boule de neige. C'est pas possible, et ben on va lui ramasser on va lui balancer une fleur de feu brillante dans la tronche. Mario Fire. Et pif, pof, paf, pouf. Ouais, ça fait mal, hein. 54 de dégâts, moi je vous dis. 481 pièces. Oups. Ouf. Mini trésor numéro 90. Bruit insecte macho. Yeah. D'accord, je peux pas monter en haut là, mais du coup je peux monter comme ça. Hop là. Et tadam. Youhou. Yes, plein de pièces. Allez, la boule de neige, c'est parti. Hop, raté. Yes. Forcément. Hop, j'espère que je vais pas re-rater cette fois-ci. Ouf, pas facile. J'aurai jamais le temps. Au secours. Non. Je suis emportée par une boule de neige. Hop là. Ah là là, c'est trop dur en vrai. Oh. Allez, faut que je saute bien au bord. Hop. Je suis un bout de papier, donc c'est difficile de voir le bord. Et hop. Ah, pas du tout. Ah. C'est trop dur. Horrible. C'est plus facile quand on a des vraies jambes. Et hop. Mais c'est impossible. Je vais m'y arriver, au secours. C'est juste impossible. Faut que je m'entraîne. Et hop, yes. Allez, allez, vite, 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 vite. Allez, monte. Yes. Pff, trop dur. Fouh. C'était pas simple. Ok. Alors. Comment on se met? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas d'idée. Aidez-moi. Comme ça. Oui. D'accord. Ok. J'y étais pas du tout. J'aurais pas du tout fait ça. Impeccable. Bon alors du coup j'ai la flemme de pas tuer ceux avec la boule de neige, donc on va essayer voir si une fleur de feu ça suffit. Ouais, beaucoup des fleurs de feu. Et pof, pof, pof. Non, ça suffit pas. Du tout. Du tout, du tout. J'avais pas beaucoup des fleurs de feu brillantes. Hein. Et des fleurs de glace, ça leur fait des trucs ou pas? Je crois que ça va leur faire zéro de dégâts, je crois. Et pof, 15. Voilà, c'est rien du tout en effet. Ok, ok. Bon. Ah, boule de neige. Ah, la grosse boule de neige. Ouf, 33 même avec la garde. Horrible. Oula.
Eh ben. Bah non, hein, c'est pas grave, hein, je suppose que voilà quoi. Les bottes, ça suffit pas. Et pof, pif, paf, pouf, ça suffit pas du tout. Ok, bah ces monstres sont vraiment trop chiants en fait. Bon du coup c'est bon là, maintenant ça suffit quand même. Et pof, pif, paf, pouf. Au secours. Au secours, ouais, ok. Bon allez. Et pof, paf. Ah, vraiment trop chiant ces monstres. Tout ça pour 300 pièces, super. Ouais, forcément, j'ai aucun bonus. Ouais, pas facile, ils sont bien chiants ces monstres. Pas simple, là je suis obligée de pas les tuer pour un coup, c'est chiant. J'aime pas. D'accord. Ah, pauvre Mario, il a froid si je reste sur place. Et tadaaaan! Fleur de glace brillante, c'est cool ça. Donc là, il y a un machin. Et tadaaaan! Je suis obligée déjà la première fois, voilà, tout casser pour... Ah, d'accord, pour tuer les monstres dedans et pour récupérer les objets dedans. Et donc du coup, ça nous fait un essai en moins déjà. Si dès le troisième coup, il me montre la solution, oh, moi ça va me saouler, hein, c'est chiant. Pas pratique, quoi. Trois mouvements. Trois mouvements. Trois mouvements quoi. Ça va pas parce que voilà, parce que c'est énervant, c'est énervant. Allez, hein, pourquoi avoir fait ça? J'ai toujours pas la solution. Parce que du coup, j'ai bien compris qu'il voulait faire des trucs de 4, mais... Si. Oh là là. Bah genre, non, j'avais pas. J'avais pas deviné du tout. Bah c'est quand même... Hein, les énigmes, des fois, pas simples, hein, purée. Les énigmes en combat, je trouve, des fois... Hein. Chaud, chaud. Pof, pif, pouf, plaf. Et pof dans la carapace. 525. Pas trop trop mal, ça passe. Qu'est-ce que... Oh, des pièces. Oh, des pièces, ça fait plaisir, des pièces. Voilà. Pof. Et tadaaaan. Youhou. Où est-ce qu'on veut aller? On veut aller à droite, je suppose. Ça paraît logique. On va jamais y arriver. Parce que ça ne va pas. Pof. Ouais, bien sûr qu'il manque des plateformes, j'avais bien compris. Ouais. Bon, faut reset. Et c'est pour aller faire quoi du coup? Youhou! Olé! Je vais tomber. Ok, d'accord. Ça marche. Ah oui, mais du coup. Non, ça n'a pas reset, oui, bien sûr. Ok, on va là pour reset. Paf. Pof.
Donc là, j'ai eu le droit qu'à deux essais. Hein. Réfléchissons bien. Alors. Mettons que si on avait fait le tour comme ça, c'était pas trop mal. C'était bien. Ça peut se faire. Mais arriver en bas. Là, ça se stoppe ici. Je fais un essai. En espérant que ce soit la bonne, vu qu'il ne me restera plus beaucoup d'essais. Donc là, paf, la plateforme s'arrête ici. Je toque en bas pour atterrir là. Raté, c'est pas ce que je voulais faire, mais ok, d'accord. J'atterris là. Et j'ai aucun moyen de la pousser à droite, donc ça va pas, donc c'est pas ça. Ça m'énerve, voilà. Ça m'énerve. Donc là, c'est mort. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Ouais, bah j'ai raté, hein, donc bon, voilà. Ça m'énerve. Ah là là, ça y est, ça monte déjà à celui, ça me saoule. Il est nul, ce jeu. Faut arrêter. Ouais, bah ouais, mais il n'y a pas d'intérêt, hein. C'est pas drôle. Hein. Secours, ce monstre. Je pensais qu'on avait le droit à 3 essais, hein. J'ai le droit qu'à 2, j'ai l'impression. Pof. 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 Dommage parce que les trucs comme ça j'aime bien, j'aurais bien voulu chercher plus longtemps. C'est juste que je peux pas y arriver le premier coup. D'accord. Bon bah là, de toute façon, je peux rien faire à moins de faire ça. Oui, donc non. Ok. C'était juste pour me balader ici, du coup, je pense. Où elle est ? Bonjour. Et pof. Et pof. Là, juste les bottes simples parce que la première va envoyer valdinguer les autres et pof. Pas du tout. Du coup, je suis pas du tout arrivée à cliquer sur les autres. Oh, je suis dégueu. J'étais pas prête. Marteau chatoyant. Et paf. Aïe, 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 aïe. Et blanc. Et ben là, ça a marché. Non, mais c'est pas possible. Hein, le jeu qui se fout de ma tronche. Moi, j'y arrive plus. J'en ai marre. Tadam. Ok, ok, ok. Où aller? Oh les boules de glace. Oh les, je me prends, je saute parce que je suis obligée parce que je glisse et du coup je me prends la tronche. D'accord. Ok. Oh les, toi bien. Et tadam. J'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette salle? On reset par là. Un tuyau. Ok. Oh, génial. Mini trésor numéro 91, la tête de l'esprit de la glace. J'espère qu'il sera un peu plus joli que ça quand même. Ah. Ah non. Pourquoi? D'accord. Pourquoi j'atterris là? Mais ok.
Ouais, c'est nul, non? Et là? Non. Pourquoi j'atterris là? Ça veut dire que c'est la fin. Enfin, je veux dire, genre... oui, non, mais faut que j'y aille, quoi, en fait. Ouais. Non, mais... Oh! Ah, j'ai compris. Oh, ça va être dur. Hop! Oh! D'accord. Oh là là, c'est trop méga chaud. Faut que j'y fasse en plein vol, quoi. Hop! Hein? Je suis pas arrivée. Je crois que je suis pas arrivée. Je crois que je suis bloquée. Ok, ok, ok. Pof. Ouais, sauf que c'est pas là que je voulais aller, mais ok. Non, je suis coincée là. Non, mais ça m'énerve. Non, je suis coincée là. Je crois. Ah, mais non, je suis pas bloquée. Que dis-je? J'ai pas fait gaffe. Pas simple hein, ces énigmes de patin à glace là. Oh non, j'ai déjà eu le même genre tout à l'heure et je sais pas refaire. Aidez-moi. Oh là là, je sais pas pourquoi je suis. Je suis handicapée dans ce donjon là, j'arrive à rien faire. Voilà. Le premier, je suis... encore une fois, je sais pas si j'arrive à le refaire. Ouais. Mais ok, ça roule. Alors, il me faut les bottes de fer. Pof, pif, paf, pouf. Plus de bottes de fer. Quand il y en a plus, il y en a encore. Et pof, paf, pif, pouf. Il est pas simple ce donjon là, les énigmes de patins à glace, les énigmes de monstres, tout est méga dur. Ah, peut-être pas méga dur, mais pas mal difficile quoi. Hop, 1000 pièces, c'est cool. Et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, il faut bien qu'à un moment je le... Où elle est? Ah, j'y suis pas allée. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que... Faut que je reset. Ouais, parfait. Hop. Hop. Yes. Et ben voilà, je crois que c'est bon. Puisque voilà. Impeccable. Ah, c'était pas facile. Hein. Et tadam! Youhou! Tadam! Tu ne crois pas que tu devrais sauvegarder ici, Mario? Ah, il y a le boss pas loin, hein, non? C'est pas ça? Yes, j'ai rebouché tous les petits trous. Il manque des mini-trésors et des blocs. Ouais. Mais bon, c'est ce qu'il y a de plus dur et j'en avais pas trouvé beaucoup, en effet. Donc soit j'y vais comme ça. Soit c'est évident que c'est pas possible. Bah non, bah si c'est possible, mais bon, je sais pas. On sait jamais. Au cas où, s'il y a un souci, je saute en plein vol. Pof! Wouhou! Oh, au secours.
Pof, j'ai cassé toutes tes dents. Bon, alors, tu fais quoi maintenant? Aïe, aïe, oui, aïe, et il est... Oui, il est à la carpette. C'était trop rigolo, qui aurait cru qu'on dévalerait un toboggan de glace au fond de l'océan? Je crois que nous avons été projetés jusqu'au sommet de la deuxième montagne. Où est-on au juste? Je sais pas. Moi, je te prends un champi, puis voilà, quoi. Pof. Ouais, voilà, on me prépare beaucoup, là. Hein. Beaucoup trop, en fait. Oh là 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 là. Vous sentez le boss, là, à plein nez? Voilà, c'est maintenant, hein. Finalement, la sauvegarde, il va falloir la mettre maintenant. Oh, il fait trop froid. Oh, il fait trop méga ultra. Un nounours dans la glace. Oh, il est beau. Ah non, l'esprit de la glace a aussi été pillé en origami. J'imagine qu'on peut s'attendre à ce qu'il contrôle la glace. Mais sois prudent, Mario. Bon, je sais déjà ce qu'il faut faire. Il faut le phénix de feu. Ça paraît tout à fait logique. Bien entendu. Graou graou, pas content. Waouh, voilà un ours polaire de belle taille. Ses griffes ont l'air vainement acérées. Mais ne te laisse pas intimider. Quand il n'est pas couvert de glace, c'est un simple origami comme moi. On en viendra à bout. Qu'il s'abrite déjà derrière une muraille de glace, ce n'est pas du jeu. Bon, il faut obligatoirement le phénix de feu, ça paraît tout à fait logique. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire au début? Donc on a le phénix, mais on n'a pas le bouton on. Donc il faut ouvrir le coffre, ça va être chiant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? On peut faire ça par exemple. Et ensuite on peut faire... On peut faire ça, on prend le coffre et l'indice. Mais vu qu'on peut faire ni phénix ni rien du tout, ben on va faire un peu de baston après. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop le choix. Hein. Comment faire pour faire la baston? Là, on va être trop loin. Il faudra faire un coup de marteau. Un saut. Ouais, bah pas le choix, j'ai l'impression. Je vois que ça parce qu'il n'y a qu'un seul coup de poing à faire. Et il n'y a pas de flèche qui peut accéder là. Non, je vois que ça. C'est parti. Le bouton on, voilà, qu'on peut pas utiliser tout de suite, bien entendu. Seul l'esprit du feu peut faire fondre la muraille défensive de l'esprit de la glace. Viser un cercle de pouvoir. C'est tout à fait logique, sauf que le premier tour je pouvais pas. Donc voilà. On se débrouille comme on peut, hein. Voilà. Néanmoins, j'ai des fleurs de feu qui peuvent aider. Donc je pense que pour un début, ça sera pas trop mal. Et boule de feu! Pas beaucoup de dégâts, hein. Mais bon. C'est un début quand même. Aïe, la roulade polaire piquante en plus. Ouh, ça fait mal, je vous le dis. Donc il reprend sa muraille. Le coffre il brille, ça donne envie de le prendre parce que tout à l'heure il brillait pas, c'est étrange. Mais là il me faut un petit on. Comment faire pour... Là, je prends le coffre et je prends le on. Par exemple, je sais pas trop, on verra bien. Là, dans tous les cas, il me faut une flèche comme ça. Pour aller à droite, je prends le coffre. Et ensuite, je prends le on, là. Donc je monte, je prends les deux flèches, je prends le on, le coffre et j'atterris sur le phénix. Et ben c'est parfait.
Coffre qui brille. Ah, c'est pas mal pour les prochains tours. Ouais, c'est cool. Pouvoir de l'esprit du feu. Cercle pouvoir activé. Allez, Olivia. Accroche-toi, Mario. Hein, parce qu'il va faire chaud. Et froid. On fait fondre la glace. Pas mal, pas mal. J'espère juste qu'il ne le remet pas tous les tours, parce que sinon ça va pas servir. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, esprit de la glace? C'est nous qui sions, mais c'est toi qui fonds. Au secours. Coup de griffe. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Donc maintenant, on doit pouvoir l'attaquer tout simplement, j'imagine. Voilà, je vois plus de phénix, donc ça paraît logique. Donc du coup, il faudrait qu'on fasse ça. Il faudrait qu'on prenne un truc supplémentaire, une action supplémentaire, pardon. Ah, ça va pas, parce que j'ai pas de coup de poing nulle part après. Réfléchissons. Que faire, que faire? Il faut que j'atterrisse sur un coup de poing pas loin. Genre si je fais ça. Non, ça va pas. Si je fais ça, je prends un cœur, c'est cool. Et j'atterris. Ouais, si, là on est pas trop mal. Et ensuite. Ensuite, bof. Rien ne va! Aidez-moi car rien ne va. J'ai encore deux déplacements. Ça peut se faire. On fait ça et ensuite on fait ça. C'est pas ouf, mais bon. J'espère que j'ai bien calculé. Ouais, action supplémentaire, coup de poing. Ok. Bon, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. On va tester un chat, je pense, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire que je peux ajouter? On peut essayer le marteau légendaire. Parce que je l'ai encore jamais testé. Et les bottes, bah, j'ai plus que des bottes de fer, donc c'est parti. Ok, alors on va essayer un coup. C'est plus que... Si un coup de botte de fer chatoyante, je crois que c'est plus fort que les bottes chatoyantes. Et ensuite, on va essayer un coup de marteau légendaire. C'est parti. Et pif, pof, paf, pouf. Ok, 3, 1, 1, 1, c'est pas trop mal. Et pof, 5, oh. Mais 5, mais c'est quand même moins fort. Aïe, 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 aïe. Waouh, l'attaque de l'esprit de la glace a gelé jusqu'au sol de l'arène. Ah non, il remet son machin, voilà, déjà. J'ai eu un tour, quoi, c'était naze. Ou deux, je sais plus. Ah, il peut carrément créer des glaçons maintenant. Oh, horrible. L'esprit de la glace a les pouvoirs à donner le frisson, comme si ce froid ne suffisait pas. Ok. Comment que faire? Ouais, parce que là, les deux icônes de l'esprit du feu sont encastrées. Comment faire? Comment faire? Je peux pas la... Il faut... Bah, je sais pas. Je crois. Il me faut de l'aide. Il me faut de l'aide. Moi, je vois que ça. Un indice. Et là, ça me va pas. Hein? Oh! Comment j'aurais pu savoir?
D'accord. Ok. Ouf. J'ai trouvé, mais... Je vais pas y arriver. Ouais, j'ai pas assez de temps. Au score. J'ai trouvé, mais j'arrive. Je freine du temps. Alors. Faut que je mette ça là. Je vais jamais avoir assez de place. Non, ça va pas aller. Ouais, j'ai pas de temps. Secours, calmez-vous, j'ai pas assez de temps. Ça va là. Ça m'embête, je voulais prendre le coffre. Ça va là. Oh non, la flèche ça... Ah, y'a rien qui passe. Je voulais pas faire ça. Aidez-moi. On prend la fleur de feu brillante. Et puis tu m'embêtes pas. J'ai compris, mais c'est pas simple à faire. Ça demande trop de mouvement, c'est trop chiant. Aïe. Elle n'était pas prête. Ok, réfléchis. Bien comme il faut. Oh, ça m'énerve. Il n'y a rien qui va. Pourquoi il n'y a rien qui va? Ça me saoule. J'ai un peu de... Mais non, mais j'ai jamais assez de mouvement. Ça me saoule, quoi. Le problème, c'est que si je fais on... Non. Allez, réfléchis. Réfléchis avec ta tête. Réfléchis avec ton crâne. Hop, tu prends ça. Tu fais on. Là, c'est très bien. Ok, super. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Tu vas prendre le coffre au passage. Impeccable, il me reste un mouvement même. Voilà. Bah pour une fois j'ai rien à faire. Voilà. Génial. Ouais, on s'en fout, on va faire n'importe quoi. Genre voilà, par exemple. Ça sert à rien, c'est très bien. Paf, voilà, ça n'a aucun intérêt. Ça sert à rien, c'est très bien. Ok, on prend le coffre. Un truc supplémentaire pour la prochaine fois. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait gaffe? J'ai pas... Mais là, j'ai pas... 41 de dégâts, j'en peux plus, quoi. Fais attention, Mario, je sais qu'ils sont droit devant, ces caisses gelées ont l'air dangereuses. J'ai pas du tout compris ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Je sais pas. Soit ces fichus de leçon. Ils ne se cassent même pas quand on fait pivoter les anneaux, mais il y a sûrement un moyen de les briser. Donc du coup ça doit être ça qui s'est passé, c'est que j'ai beau avoir changé et tourné, le glaçon s'est pas pété. Donc il me faut absolument l'indice parce que je comprends pas. Du coup je vais encore perdre un truc pour rien, comme tout. Vas-y, fais ça. Par exemple. Non, mais j'ai toujours pas. Normalement, ça. Ouais. Et là, on va prendre l'indice parce que moi, j'ai pas là. Ok. Faites coulisser les cases pour briser les plaques de glace. Attention, si vous annulez, la glace réapparaît. D'accord.
Ah, et donc là ça marche. Avec le coup d'avant, ça n'a pas marché. Bon, moi j'ai. Bah, alors j'ai déjà annulé, j'ai pas fait exprès, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Ok. C'est parti pour l'esprit du feu. Enflamme-toi, purée. Laisse-moi une chance de te taper et puis remets-moi de la vie aussi. C'est un peu beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Ok. Tu as un de dégâts, c'est vraiment pas beaucoup. Coup de griffe. Oh là là, je prends trop cher. Oh là-bas, il y a plein de cœurs. Comment faire pour prendre les cœurs? Non, il n'y a aucun moyen que je les prenne. Là, j'en prends juste un. Ok, peut-être. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je le tape, de toute façon. Il faut clairement que je le tape. Donc du coup... comme ça. Il reste plus que deux mouvements. Alors, je prends ça. Et je prends ça. Et j'aurais pris qu'un cœur. Quel dommage, hein. Mais bon, c'est comme ça. Ça sera déjà pas trop mal, je pense. Allez, c'est pas mal comme ça. Un cœur de combien? 50. Pas trop mal, mais c'est pas suffisant. Hein. Pas du tout. Là, je tape dans le dos, c'est pas trop mal. Le marteau légendaire, on a vu que c'était bien, mais que ce n'était pas assez fort. Qu'est-ce que... il faut que j'essaye en vrai... j'essaie une fleur de feu pour voir ce que ça donne quand il n'est pas gelé, parce que j'ai essayé que quand il était gelé. Et puis on va essayer... alors les bottes de fer chatoyantes, j'ai essayé tout à l'heure. Je crois que c'était 3, 1, 1, 1, ça faisait 6 au total. Donc on va essayer les bottes chatoyantes. Ouais. Allez. Fleur de feu, c'est parti. 6, 9, 6, 6. C'est super fort. C'est supra, super, méga fort. Et là, j'en ai fait qu'un. Parce que j'ai pas eu. Je suis pas arrivée à appuyer. Oh là, je fais n'importe quoi. Oh là là, 37. Ok. Donc, il me faut le phénix de feu. Si je fais ça. Je prends le on, je prends le cœur. Je suis bien. Si je fais ça, je prends un autre cœur. Ça va pas. Ça va pas parce qu'à un moment, il va falloir que je fasse ça et ça, ça va pas non plus. Non. Il faut que je fasse ça en fait, tout simplement. Voilà. Très bien, très bien. Donc comme ça. Comme ça, très bien. Et ensuite... si comme ça, pas très bien. Je sais pas, j'hésite. Si comme ça, pas très bien, et que je fais plutôt comme ça... voilà, mettons, j'en sais trop rien, mais mettons. Mettons que c'est archinaze. Parce que là, je fais ça, mais j'ai toujours pas de cœur en plus. Non, c'est naze. Hop, comme ça, très bien. Et puis, puis j'ai pas d'autre idée. Attends, rajoute un chouï, allez, un chouï. Un chouï, j'aurais bien voulu prendre un autre cœur, là. Il reste un mouvement. C'est naze, mais allez, on va prendre le coffre. Là, je peux pas prendre d'autres cœurs, c'est pas grave. 30, c'est quand même pas mal. Allez. Maintenant que j'ai mieux compris, ça va un peu mieux. C'est
c'est parti, le pouvoir de l'esprit du feu. Phénix dans ta tronche. Et crame. Je fais quand même pas beaucoup de dégâts, un tour sur deux. C'est pas sympa. Coup de griffe. Aïe. Oh le cœur, zut. Ok. Bah alors là j'ai pas beaucoup de propositions à part ça. Ça. Non, ça va pas suffire, ça va pas aller. Rien ne va. J'y suis pas. J'y suis pas du tout. Bon, si je fais ça. Ça va pas, ça m'énerve. Allez, première fois que j'ai genre je vous demande de l'aide, mais aidez-moi. Un marteau pilon. Un cœur. Oh, ça me va. Nickel, ça me va. Je rajoute un tout petit peu de temps. J'ai plus besoin d'aller chercher les cœurs, ça me va très bien. Allez, ça m'énerve, pas assez de temps, jamais assez de temps. Y'a pas assez de temps, je suis trop molle. Allez, je veux ça. Ah oui, non, mais ça va toujours pas en fait. Ah, ça me saoule. Allez, je veux ça. Non! Je vais jamais y arriver à avoir en fait. Ça. Et même du coup, j'aurai jamais mon temps supplémentaire. Ah! Pourquoi j'y arrive pas? Ça me saoule! Ça me saoule. Je dépense tout mon fric, j'en ai marre. Allez, hein. En fait, je peux pas tout avoir. Calme-toi, je veux juste le coup de poing et je peux pas l'avoir et ça m'énerve. C'est horrible. Déplacement. Allez. Allez, allez, concentre-toi, concentre-toi. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir tout ce que je veux? Ça me saoule. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas ce tour-ci. J'y arrive pas, juste horrible. Je veux mon truc là, mais je peux pas l'avoir. Et je vais taper de trop loin. Non mais il me reste qu'un déplacement, ça va pas... Bon bah, j'aurais pas le truc supplémentaire, c'est pas grave, mais on va essayer de s'en sortir comme ça. Mais je suis trop loin, un coup de poing, je veux un coup de poing plus près, j'ai pas, ça m'énerve. Oh, j'aurais pu avoir le x2 en plus, mais là... Putain, j'ai qu'une action à faire et c'est juste trop chiant, horrible. Bon, qu'est-ce que ça donne une fleur de feu simple? La fleur de feu brillante, c'était génial, hein. Allez. Une attaque de feu. Ouais, c'est quand même grave fort. Je
pense qu'il faut que j'attaque avec ça. Griffure glaciale, au secours. Oh, 38, mais c'est juste horrible. Ouais, il faut encore que je fasse mon phénix, là. Puis cette vidéo devient beaucoup trop longue. Je galère trop, c'est juste horrible. Il est pas simple, hein, ce monstre. Bon. Alors. Cette fois-ci, on se concentre. Mieux, bien mieux. Ok. Comme ça. Ouais, c'est très bien. J'ai assez de cœur pour l'instant, c'est très bien. Et le coffre. Et ben, c'est parti. On y va. La phase avec le phénix, ça va très bien. C'est la phase d'après qui est, je trouve, très dure. Allez. Invocation du phénix de feu. Et on fait fondre le glaçon. Parfait. Aïe, 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 aïe. Ok. Alors, c'est maintenant. Allez, il faut que j'y arrive. Si on fait ça, c'est nul. Si on fait ça, peut-être, je sais pas, ça n'a pas d'intérêt. On va faire ça plutôt. Ouais, c'est plutôt pas trop mal. J'ai encore un souci sur le coup de poing, j'ai pas de coup de poing, ça va pas. Ça va pas. Rien ne va. Mettons un indice, je sais pas. Pourquoi ce tour-ci, il va jamais? Ça commence à me saouler, en fait. Pourquoi j'ai pas de coup de poing en bord, là? Ça m'énerve. Ah, si je fais ça... Raté. Dommage, ça aurait pu être bien, mais non. Non, c'est archi naze. Ouais, c'est bon là, ça me saoule, je suis plus de 2 secondes, y'a rien qui va encore là comme d'hab. J'ai pas de chance ou c'est moi ou c'est une impression, ça abuse quoi. Non, c'est pas ça que je voulais. Sa muraille de glace a enfin disparu, vite, serre-toi les bras multipliés pendant qu'il est vulnérable. Ah, comment ça? Bah t'aurais pu me dire ça avant. D'accord. Et bah attends, on rajoute du temps au secours. Là, ça passe. Ok. Putain, je suis en train de viser tout mon fric, c'est un peu trop. Pourquoi les bras multipliés? Pourquoi on me donne pas d'indice là? Hop. Putain, y'a non, ça va pas. Au secours. Comme ça, mettons. Mettons que c'est archi nul. J'en sais trop rien. Mettons. Que moi je te dis ça. Non, mais allez, j'ai besoin. Est-ce que moi, commence à me saouler, hein? Je sais pas vous. Hein. Moi, ça commence à me saouler un peu. J'ai pas de on, donc y'a rien qui va en fait. Comme d'hab. Allez. Mettons que je vais là. Ouais, ouais. Là, j'ai un début de quelque chose, là. Là, j'ai un début de quelque chose.
Voilà, alors c'est archi nul, mais on va faire avec, hein, parce que de toute façon, j'arrive pas à faire autre chose. Donc pourquoi? Faut que je comprenne pourquoi les bras multipliés, parce que là, je comprends pas. Pof, 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 pof. Ah oui, d'accord, non mais lol. Faut même le dire avant, non mais... Ah bah... Ok. Il est trop assommé par attaquer, bah tu m'étonnes. Ah, c'est bon, il est plus assommé par contre. Ok, et quoi, je le refais? Parce que si je le refais, moi ça me va. Hein. En fait. Je le refais à fond, moi. Ah, j'ai plus de on. Bon bah du coup, je peux pas. Donc... Comme ça, je prends un petit coffre. Je prends le truc x2. Et là, ouais, j'atterris là, c'est très bien. C'est même encore peut-être mieux comme ça. Je vais toujours à gauche, là c'est toujours bon. Et là, ouais. Et bah quand ça va, des trucs, des tours comme ça, mais c'est parfait en fait quand ça va. Ah là là. Pourquoi des fois ça va pas, c'est fou. Tiens, bouffe une fleur de feu parce que t'aimes bien. Ah, tiens, bouffe une autre fleur de feu parce que t'aimes bien. C'est parti. Et bouffe le feu! Ah, j'arrive pas à faire 6 là, zut. Et pof, 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 pof. Ah, je suis pas arrivée à tout le temps le faire. Et pas facile de faire des excellents sur les fleurs de feu, je comprends pas trop quand il faut cliquer. Ya 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 ya! Oh, il est épuisé. Labyrinthe de glace! Ah oui. Ce combat n'est jamais fini. Qu'est-ce qu'il fait? Au secours. Au secours. Je comprends rien. Sur l'arène. L'esprit de glace a l'air sacrément fâché, on a intérêt à venir à bout avant qu'il ne perde son frère. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Ouais, alors c'est la panique totale, hein, comme d'hab. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas trop ce qu'il faut faire. Il y a un on et il y a quoi Non. Faut le taper, faut quoi? Faut un indice au secours, aidez-moi, j'en ai marre. Comme ça. Ok, et après, bah coup de poing. En fait, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire parce que j'ai le on, mais il sert à rien, ça peut allumer rien du tout. Donc voilà. Je vais prendre l'indice et puis on va bien voir. Hein. Ah si, le on, ça aurait allumé les bras multipliés. Mémoriser la disposition de départ du labyrinthe et reconstituer-le en faisant pivoter les anneaux. Vraiment, tu crois que j'ai vraiment que ça à faire? J'ai que ça à faire. Moi je te dis que je vais prendre cher dans la tronche, mais c'est pas grave, je vais mettre de la fleur de feu dans la tronche. J'en aurai jamais assez jusqu'à la fin de quoi. Pof, pof, pof. Pourquoi j'y arrive pas? Purée, c'est trop chiant. Bon bah, je vais mûrir. La période glaciaire. 57 de dégâts. Oh, c'est beau. Ok, bon, il faut vraiment que je m'en rappelle. Non, mais je vais jamais m'en souvenir. Ok, je crois que j'ai compris. Ces cases verglacées transforment l'arène en un labyrinthe. Ouais, mais là tu parles, du coup je peux mémoriser. Tout à l'heure tu parlais pas. Le on et les bras multipliés, ok. Bon, je vais essayer, on verra bien. Hein. Mémorisons vite comment atteindre sans danger ce cercle de pouvoir du calme, on se concentre. Ah ouais, mais tu... Ah non, ils tournent pas le troisième anneau, donc c'est ok. Ouais, j'ai compris. Allez, dépêche-toi, je vais oublier sinon. Ouais.
Alors, je crois que c'était comme ça. Lui, il n'a pas été changé, celui le troisième. Celui-là, il y avait le On. Et là, il y avait genre ça, je crois. Ouais. Ouais, parfait. On verra bien. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? Taper sur la tronche, hein, on verra bien. Hein. Je te tape sur la tronche et pof! Pof, 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 allez! Ah, il est pas mort, vite. Crotte. Souffle de glace, je vais mûrir. Wouhou! Aïe. Labyrinthe de glace, et bah c'est reparti, hein. Ok, c'est le deuxième anneau qu'il a pas tourné. En fait, il a tourné que le premier et le deuxième, c'était possible. Alors, attendez, parce que c'est pas simple, du coup, je crois que c'est comme ça, ouais. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Comme ça, et ensuite... Et ben comme ça. Comme ça, je me prends un petit cœur au passage, c'est pas trop mal aussi. Un pec, bon, on va bien voir. Un petit cœur, et puis on te casse la tronche. C'est bon là, tu vas mourir? Parce que moi, je commence à en avoir marre. Et pof, 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 pof. Allez. Hein? C'est bon, on arrête de parler de ça, là? C'est comme ça, hein? Hein? Putain, il était pas simple, celui-là, hein? Il m'a donné du fil à retordre, purée. Compliqué, hein. Et patatras! Ta-da-ta-da. C'est le codex de l'esprit de glace. Codex Glaciae. Ok, laisse-moi le temps d'étudier ça de plus près. Non, d'accord, il faut appuyer ici, puis rassembler ces deux-là comme ça. Ouh, c'est pas évident. Je vois. Ah, ah oui, c'est bon. Je crois que j'ai compris. À présent, je devrais savoir faire le pliage pour me transformer en esprit de la glace. Voyons un peu, je suis impatiente de découvrir ces nouveaux pouvoirs. C'est parti. C'est parti pour la transformation d'Olivia. Power Rangers blanc. Transformation d'ours polaire, Olivia. Yeah. Clac 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 clac. Même sous la forme d'esprit de glace, j'ai toujours aussi froid. La peau. Mais je n'en perds pas haut de vue le plus important pour autant. À qui la paix, Mario? Je vais tout de suite tester ce nouveau pouvoir. Oh, crash shot glace, laser glace. Trop stylé. Mandeur. Grau, grau. Tout cassé. Petite patinoire. Ouais, t'as vu, je suis trop froide. Trop forte. J'ai changé l'eau en glace. Bien, maintenant que le fossé est gelé, nous allons pouvoir sortir d'ici. Yeah. Wouhou. Ouais, alors c'était sympa, mais moi le monde de la glace, hein.
Bof, bof, bof. Hein. Si je peux m'en aller un peu vite, ça me va. Hein. Non, mais c'était sympa en vrai, mais... pas simple du tout. Des bonnes grosses énigmes. Mais tant que je te pas marié, vite, agrippe-toi, moi. Hein? Bah oui, non, mais... Comment ça? Wouhou! Plein de pièces! Youhou! Ta-da-da! Toboggan! Wouah! Ta-da! Menteur. Trop drôle. Et voilà! Les statines et l'esprit de la glace nous sourient toujours. Je crois qu'elles ont apprécié le spectacle. Trop marrant. Et bah, c'était bien sympa cette petite balade en toboggan. Oh le coffre! Tadam! Mini-trésor numéro 93, l'île du carreau! Yeah! Trop marrant! Et ben, c'était bien sympa! Cette petite balade dans le temple de la glace, je m'attendais pas du tout à ça par contre. Mais en vrai, c'était bien sympa et ça va pouvoir nous débloquer sur l'île du carreau. J'ai bien aimé, c'était cool. J'espère que vous avez apprécié aussi. En tout cas, c'était une trop grosse vidéo, mais j'espère que vous avez apprécié. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans la suite de mes vidéos. Et bye bye!